Où est-ce qu'elle est? Ah putain! Ah, c'est bien, issue automate merde. Ah, putain de merde. Raté. Raté, putain de merde. Ah putain! Raté! C'est pas vrai! Bon écoute, je te prends photo hein. J'aurais peut-être dû attendre un instant fatal pour... Un cadrage et un instant fatal pour gagner le max de points, mais... Hop, il y a une sauvegarde là en plus. Je me disais bien que j'avais vu une lanterne, mais... Ça me paraissait bizarre qu'elle soit pas allumée. Ok... Qu'est-ce qui est quoi? Il y a un nécessaire à teinture dans le placard. Allez, sauvegarde. J'entends encore ce bruit de martèlement, mais je suis où exactement là? Ah oui, peut-être qu'il fallait que j'aille là. D'accord. Donc ça veut dire que j'ai décellé la porte là où il y avait la poupée? Je sais déjà plus où elle était. C'est pas ça que je voulais faire. Je voulais regarder la carte. On va... Oh putain... Ah mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. C'est quoi ça? Putain! Oh putain!
Faut que je me tire de là. Où est-ce qu'elle est? Elle me fout les miches, cette salope! Raté! Oh putain, cette gueule, mon dieu, mais... Ah! Raté encore. Bon, ça va, en reculant, elle peut pas m'atteindre, donc... Par là. Allez, je l'ai vu. Mais oh, mais c'est chiant, là, je la rate à chaque fois. Elle est où? Est-ce qu'elle est où? Elle est là. Ah, je te raterai pas, ma petite. Merde. Boum! Ok. Maintenant. Vous savez quoi? J'ai 40 000 points. Ah ouais, je peux grimper ça, c'est vrai. On va grimper un petit peu tout. Voilà. Je pense qu'on est un peu mieux. Ah oui, d'accord, la charge du pouvoir spirituel. Ok. C'est ce qu'il y a en bas à gauche. C'est les points que je peux stocker pour utiliser mes pouvoirs. Ça peut être pas mal, ça. Bon, je m'en sers pas des masses. Je me suis jamais vraiment beaucoup servi, d'ailleurs. Alors. Il fallait que j'aille au fond de ce couloir-là. On va y aller. J'espère juste que je vais pas me retrouver nez à nez encore avec l'autre. Je pense qu'il y a encore. Je pense pas qu'il soit parti. Ce serait trop facile. C'est bien le bon endroit? Ah oui, non, je pensais que je me retrouverais directement dehors, mais non. Il y avait une autre salle avant. Il n'y a pas l'air d'être là. C'est ma veine. Et par ici. On doit pouvoir entrer maintenant. La poupée clouée à la porte disparaît. Et donc ça veut dire qu'on peut rentrer dans cette petite pièce. Mais qu'est-ce qu'on va y trouver? Des poupées clouées partout. On dirait des poupées de paille vêtues de rouge, ouais.
Une pierre précieuse aussi grosse que mon poing est posée sur l'autel éclairé par des bougies. Elle semble servir à une sorte de cérémonie. Quelque chose brille au-dessus de l'autel. La clé campanule. Ouah, je sais plus du tout où elle était, celle-là. Je sais pas du tout. Oh, putain! Boum! Ah bah je l'ai raté. Je pensais l'avoir fait deux fois mais... Où c'est qu'elle est, où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle est, là, 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 elle est là, elle est là, elle est là. Quelque chose est apparu sur la photo. Il y a quelque chose sur le sol à l'endroit où se tenait la fille habillée en vierge du sanctuaire. Donc si c'est déjà une vierge du sanctuaire, c'est que c'est nécessairement quelqu'un qui va être amené à être sacrifié. Ou à accomplir des rituels, ou je sais pas trop. Journal gris. Est-ce douloureux d'être empalé? Vaut-il mieux que le pieu pénètre lentement ou qu'il soit planté vigoureusement? Je me demande si elle meurt si le pieu les transperce complètement. Est-ce grave si elle meurt? J'ai hâte d'empaler une prêtresse. Ah putain, ils utilisaient des gamines pour empaler les autres. Génial! Ok, bon. La marque du serpent. Chaque fois que je rêve de la maison, le tatouage de serpent grandit. La douleur est pire chaque jour. J'ai l'impression que ça va finir par couvrir tout mon corps. Et alors? Les rêves, le manoir, que signifie-t-il? Comment m'enfuir? La pièce aux poupées. Des poupées rouges étaient clouées au mur de la pièce d'où venait la berceuse. Là se trouvait une des vierges du sanctuaire. Elle a tenté de m'empaler dans mon songe. Qui est-elle et que faisait-elle là? Eh bien, je ne sais pas.
Miku, cette chanson. Oh, Ray, bonjour. Cette chanson? Je ne me souviens pas où je l'ai entendue, mais j'ai l'impression qu'elle hante mes rêves ces derniers temps. J'ignore ce que signifient les paroles. Il s'agit peut-être d'une sorte de dialecte? Les rêves. Oh. De quoi parlent ces rêves? Je ne m'en souviens pas bien, mais je chante cette chanson dans mes rêves. Je sens et me sens de plus en plus triste, comme si je pensais à quelqu'un d'important. Et à la fin du rêve, je suis terrifié. Je me souviens seulement du fait que j'ai terriblement peur. C'est toujours ainsi avec les rêves, j'imagine. Quoi d'autre? Toujours pareil, ok. La berceuse. Mikul chantait la même berceuse que celle du manoir. Elle dit qu'elle l'a entendue dans son rêve, elle aussi. Fait-elle les mêmes rêves que moi? Est-elle attirée dans la maison, comme Yoshino, Takigawa et moi? Oui, je pense. Je pense. La malédiction se propage. Miku Inasaki, mon assistante, la chanson qu'elle chantait est la berceuse que j'ai entendue au manoir. Miku fait-elle les mêmes rêves que moi? Elle a perdu un parent, quelqu'un de proche. Est-ce lui qui hante ses rêves, comme pour moi? Ouais, ça m'étonnerait pas. Ouais, sachant que... Je commence, ouais, je pense qu'il faut avoir perdu quelqu'un et peut-être avoir survécu un accident, ouais, je sais vraiment pas. Qu'est-ce qui fait que les gens sont maudits? Mais c'est vrai que maintenant, quand on y repense, c'est vrai que Miku a perdu son frère, que Rei a perdu son conjoint et que Kei. Enfin, je sais pas, ouais, Kei, comment il va se retrouver là-dedans? D'ailleurs, on en a même pas, quasiment pas entendu parler, mais. Je sais qu'il bossait avec Yu. Ouais, je sais pas. Mais voilà qui est bien étrange. Tiens, du courrier. Une enveloppe est arrivée dans la boîte aux lettres. Enfin, elle est arrivée sur le bureau, elle n'est pas arrivée dans la boîte aux lettres. À moins que elle ait une boîte aux lettres en forme de bureau. Lettre de K3. Cher You, tu trouveras dans l'enveloppe un enregistrement concernant la légende urbaine. Je te le confie car je sais que tu en prendras soin. J'ai trouvé d'autres enregistrements, mais ils sont presque tous vieux, endommagés et de mauvaise qualité. Je vais essayer de les restaurer. Je te les enverrai quand j'aurai réussi. J'ai passé beaucoup de temps dernièrement à étudier les mythes et le folklore local. C'était plutôt ta spécialité, celle de Mafuyu, non? C'est un sujet intéressant, mais je préfère garder mes distances. Comment va la sœur de Mafuyu? Miku, c'est bien ça? J'ai eu beau chercher partout, je n'ai trouvé aucune trace de Junsei Takamine. Takamine qui était le mentor de Mafuyu, un genre de romancier, écrivain. S'est-il lui aussi volatilisé? Si tu trouves quelque chose, préviens-moi. Mio est très faible, je l'ai fait admettre à l'hôpital. Putain, c'est vrai, Kei, putain, c'est le cousin de Mio et de Mayu. Elle ne se réveille que tous les deux jours, et jamais plus de 2 heures. Je dois accélérer mes recherches. Amitié, Kei Amakula. Putain, c'est génial! Eh ouais. S'agit-il de Mio Amakula? Oui, effectivement. Et la cassette. La bande a l'air assez ancienne, l'étiquette indique Manoir du Sommeil K.A. Je peux peut-être l'écouter sur le poste de ma chambre. Oh putain, il y a vraiment beaucoup de choses là. Ah, c'est déjà... ok. Bah de toute façon, avant d'aller là, faut que j'aille développer les putains de photos. En tout cas, le scénario prend vraiment une tournure très intéressante. C'est ce mélange des trois, de toutes les histoires, là, d'un coup, là, c'est vraiment bizarre. C'est... enfin, je sais pas, moi, j'aime beaucoup. Ça pourrait être très bien du fan service ou alors juste un prétexte pour servir un scénario un peu tiède. Mais je sais pas. Ça me plaît bien. Toujours rien par là, ouais.
Allez hop, au labo. En robe de chambre. Allez. On dirait les poupées empalées dans la cour de l'arbre sacré. Ah oui, elles n'étaient pas sur l'arbre. S'agit-il peut-être d'une sorte de rituel religieux? La Vierge du sanctuaire dans la pièce pleine de poupées, clouée au mur. Elle tient un puits dans sa main, comme dans ma vision. Qui ou qu'est-elle exactement? L'image d'un vieux projecteur est apparue, il devait se trouver dans le manoir. Ouais. Pas mal de trucs à lire là. Poupée empalée. Dans la cour intérieure de la maison se trouve un arbre couvert de cordes sacrées. Autour de lui, des poupées de paille étaient empalées. Ah oui, effectivement, oui, je me souviens plus, mais alors c'était des poupées. Je me demandais ce que c'était. Dans la neige, des dizaines de poupées. Quel est le sens de cette terrifiante mise en scène? Mafuyu. Inasaki. La lettre de Kei mentionnait le nom du frère de Miku, Mafuyu. C'était un ami de Kei et Yu. Il a disparu alors qu'il enquêtait sur la disparition de Junsei Takamine, l'écrivain. On raconte qu'il a été enlevé. Je savais que Miku avait perdu un parent, mais je le croyais mort. Elle n'a jamais parlé de son frère. Cette photo, Miku. Miku pleure-t-elle encore, ce frère disparu? Ouais, ça m'étonnerait pas qu'elle ait du mal, hein. Vu la manière dont ils se sont quittés. Pour ceux qui savent pas trop de quoi je parle, regardez ou jouez à Projet Zéro, au premier. Vierge du sanctuaire, les jeunes filles apparues dans le songe dans la maison déserte que j'ai visitée. Elles se trouvaient dans la pièce aux poupées rouges, clouées au mur, dans le manoir. Qui étaient-elles? Ou quoi? Si le manoir que j'ai vu ce jour-là est le même que celui dont j'ai rêvé et dont m'a parlé Miku, cela veut-il dire qu'elles y accomplissent une sorte de cérémonie? En empalant des gens? Article, le projecteur. Ce vieux projecteur était dans la maison de mon rêve. Il contenait des images de vierges du sanctuaire. Ouais, qui empalaient d'ailleurs quelqu'un. Quelqu'un a dû filmer les événements du manoir. Pas d'apparition cette fois-ci? Non, on dirait pas. Ok. Je sais pas pourquoi, mais l'ambiance dans cette maison devient de plus en plus pesante. Elle était apaisante. Et maintenant, elle est pesante. Allez, on va aller voir Miku, puis on va s'arrêter là. Ray, que se passe-t-il? Miku, cette personne sur la photo posée sur ton bureau. C'est mon grand frère. Il a disparu il y a longtemps. Je l'ignorais. Désolé d'avoir évoqué ce triste souvenir. Je me demandais juste. Ok, bon. Est-ce que je peux te filer les photos, moi? Ou une autre fois? Elle a pas l'air de. Non, ok. Tac, bon. Ce bureau est bien rangé. Non, je peux pas te refiler les photos. Alors j'aurais peut-être dû te les refiler plus tôt. Non? Ok, bon bah c'est pas grave.
Ce sera pour la prochaine fois. Si c'est faisable. J'espère juste que j'ai pas loupé des bouts du scénario. Mais attendez! C'est moi ou c'est une illusion d'optique ou quoi? J'avais l'impression d'avoir un vilain filtre graphique quand je me rapprochais du balcon. Enfin, je sais pas, non, ça devait être moi. Un genre de grain qui venait sur le. Qui apparaissait sur l'image. Comme à l'approche d'un fantôme. Allez. In my dream, I saw my mother in that manner. Inside, there was an old shrine. It was cold. Snow was falling. I could hear a song. There were so many people going into the shrine. It was like a funeral procession. I could smell incense burning. Everyone was hiding their faces. My mother was among them. No matter how many times I called her, she kept going further and further. And just before the door shut, it was like I was going to be left all alone. I saw it every day. I went in just a little bit. If I went any further, I wouldn't be able to come back. But I thought I could meet my mother in there. Bon, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Putain, ça m'a foutu des frissons cette connerie-là. Putain, j'ai hâte de rouvrir les volets là. Bon, oula, j'ai dépassé un petit peu le temps. C'est pas grave, ça vous fera des vidéos un poil plus longues. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de cette session de Projet Zéro 2? Ça fait vraiment putain vraiment du bien de se remettre à faire des vidéos, puis de se remettre sur Projet Zéro. J'avais oublié à quel point ce jeu était passionnant, particulièrement le troisième, qui emprunte beaucoup à Silent Hill 4. Là, cette fois-ci, c'est certain, ça emprunte beaucoup à Silent Hill 4, parce qu'on a cette histoire d'appartement dans lequel on revient, qui commence à être hanté au fur et à mesure, une ambiance qui devient plus pesante. Même Miku a commencé à être un peu possédé, enfin, c'est complètement chelou. Les trois scénarios commencent. Je m'attendais à ce que ce soit juste peut-être des clins d'œil. Après, il faudra voir comment ça va évoluer, mais j'ai l'impression vraiment que les scénarios des différents projets Zéro vont vraiment s'entremêler. Et j'ai hâte de voir de quelle manière. Et j'ai aussi hâte de voir un petit peu ce que c'est cette histoire de rituel, parce que j'ai l'impression qu'en fait, c'est une histoire à différents niveaux de lecture. Soit tout va se regrouper en un seul truc, soit il y a plusieurs histoires un peu différentes qui vont plus ou moins se mêler. Donc en gros, soit ça va faire plusieurs histoires en une. Soit ça va faire une seule et grosse histoire. J'ai hâte vraiment de voir comment ça va évoluer. Moi, quoi qu'il en soit, j'ai beaucoup aimé. Bon, là, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur le scénar. Hein. Tout ce que j'avais à dire, je l'ai dit pendant la session. En tout cas, moi, là, j'ai vraiment beaucoup aimé me remettre sur Projet Zéro. Et de revoir cette héroïne toujours aussi sexy. j'ai vraiment hâte de faire la suite parce que ouais, ce Projet Zéro me happe totalement et me prend au trip. Voilà. J'espère que vous aurez apprécié cette seconde session sur Projet Zero 3 The Tormented. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut!